Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, on se retrouve sur Binding of Isaac, et on va se faire sans son. On va partir au chest. Comme d'habitude. Non. Restart. Non. Vous savez quoi? Allez, on va chercher un petit objet de départ. Oh putain, mais arrête de me donner du blind. Odd Mushroom. Bon allez, vas-y, merde, on commence avec Odd Mushroom. Allez, on va s'amuser avec. Voilà, on perd en portée, mais on gagne en tir rate. Ce qui est plutôt fair. Surtout avec le fait que, étant donné qu'à chaque fois qu'il se prend un dégât, il gagne en dommage. Bon, bah du coup, là, il va falloir essayer de pas prendre de dommage. Excusez-moi. Toujours sans te faire toucher cette fois. Non, bah... Alors, par contre, attendez, c'est pas parce qu'on est mort que ce qu'on a débloqué s'est rebloqué. Hein ? Non. C'est-à-dire qu'on l'a débloqué, on a plus besoin de le redébloquer. C'est... Oh, attends, on va se faire chier à faire à chaque fois. Non. Même quand vous battez un boss, c'est-à-dire que quand vous battez un boss avec un personnage et que vous mourrez après, vous avez c'est quand même compté comme étant ayant débloqué le boss. Hein, vous inquiétez pas. Oh, je vais pas m'amuser. Oh, s'il te plaît, me touche pas, je suis sacré. Allez, mais meurs enfin. La boule. Oh putain. Ah, mais merde, mais va crever. Oui, petit tips, il craint ses propres bombes. Ah, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est? La rage. Bah du coup, bah on récupère la rage. Alors ça, c'est un bug. C'est un bug dans Isaac. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément de rage. Et si vous récupérez un tout petit objet qui vous redonne de la rage, bah en fait, vous récupérez la rage que vous avez perdue. Mais entièrement. C'est un petit bug sur cet objet-là. Donc, du coup, tant mieux. Donc faut juste refaire les étages que tu as échoué sans te faire toucher. Mais non. Mais pourquoi sans me faire toucher? Ah, oui, c'est-à-dire le... Oh merde! C'est-à-dire... putain, voilà! Melray, à chaque fois qu'il me parle, je fais de la merde! Putain, ferme-la! Je vais time-out juste pour avoir du jeu sympa. Ah. Mais merde, enfin! Non, oui, donc il va falloir juste que je me fasse pas toucher sur les deux étages d'utérus. Enfin, pas forcément avec ce perso-là, hein, mais sur un autre run, là, voilà. Tu étais à 3-5 avant. Oui, mais Ah non, je confonds avec Number One. Non, mais c'est... Ce que j'ai dit est valable pour Number One. J'ai confondu Number One et Odd Mushroom. Odd Mushroom, tu perds de la puissance. Number One, tu perds de la portée. Mais ce que j'ai dit est valable pour Number One. Non, je veux pas. Hop là. Ah. Ne me touche pas. J'ai pas falsifié mes comptes. Ne me touche pas, je suis sacré. Voilà. Mais merde! Putain, on se fait une méluche pour cent. Ah, il faut une bombe, là. Ah bah, j'en ai une. Ça tombe bien. Incroyable. Boum. C'est spécial pour Zuto. Parce que Zuto est un fervent défenseur de Jean-Luc Mélenchon. C'est... Attention, remarque salée dans 3, 2, 1. Voilà. Oui, moi je déroge à la règle. Écoutez, sur mon stream, on parle de religion et de politique. Voilà. Et si vous avez envie de vous taper sur la gueule, allez-y.
Mais si j'ai envie de vous timeout, je le fais. Ah. Ah si, j'ai une clé, c'est bon. J'ai une clé, on va pouvoir le faire. Oh. C'est pas cool. Bon bah du coup, on va pas prendre de pièces, et puis on va tout lui laisser. Tiens, allez, vas-y, bouffe. C'est pas Bumbo, attention. C'est le petit grid. Alors, la différence de Bumbo, c'est que lui, il mange les pièces et il me donne... Il évolue pas. Il me donne direct des petits consommables de temps en temps. Gratuitement. Ouais. C'est complètement aléatoire. Hunt. Et de 1... Et les deux après. Putain, j'aime pas les fantômes, ils ont des déplacements débiles. Allez, merci. Voilà, il faut juste que. J'ai pas envie de me faire toucher. J'ai envie d'avoir le. De voir ce que Satan me propose. Enfin, bon, j'ai une chance sur 3 quoi. Le rose qu'on nous propose. D'avoir des quantités de choses. Oh! Oh le bug! Oh le bug! Putain, c'est bon ça! J'ai pris un dégât. J'ai gagné en dommages. Mais j'ai pas. Mais j'ai pas perdu. En. En Devil Deal. J'avais pris deux cœurs bleus. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, j'avais pris des cœurs bleus! Ah ouais! Alors regardez, regardez, alors lui, on va prendre d'abord lui, on va prendre les deux. Hein. La pute de Babylone, qui fait que je gagne du dommage up, ça machin, et l'objet pété, Abaddon, qui m'enlève tous mes cœurs rouges et me donne 6 cœurs noirs, ce qui fait que là, je vais encore prendre, voilà, du gros dommage. Donc là, là, ah, on est bien. Donc là, normalement, je dois avoir peut-être 7 cœurs bleus. 8 cœurs bleus. Ok, j'avais encore d'autres cœurs bleus. Et on est à 6,70. Pas plus. Ah d'accord. 6,79 de dommages. 6,79 de dommages. Et 5 en cadence de tir. Ce qui fait qu'on a un DPS vraiment pas dégueu. Pour un cet étage là. Oh, où il va atterrir. Ok, la pièce, mais bouffe là la pièce. Putain, mais bouge ton cul. J'aime pas ce monstre. C'est fou, hein. C'est vraiment un des nouveaux monstres qui vient de sortir, mais qu'est-ce qu'il est relou. C'est impressionnant. Non, non. Ok, qu'est-ce que c'est? The Fool. Le fall. Oh. Oh. Ok, rien. J'avais complètement zappé que j'avais du cœur bleu. C'est le but. Qu'il soit relou. Oui, hein. Certes. Et c'est bon. Oh oui! Oh là là, Tech X! Oh putain! Oh putain! Ok, alors là, c'est plié. Là, on va courir et on va défoncer le boss rush et Hush. Et Hush, putain, ma rush. Ah, je vais prendre à main un plaisir à te défoncer la gueule. Mais quelque chose de concret. Remonte-toi, remonte. Remonte, je peux pas te toucher! Oh là 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 là! Oui! Le beau jeu! Le beau jeu! La RNG a eu pitié de moi! Allez! Oh, j'aime pas ce boss! Ouh, ouh! C'est bon, c'est passé! Lourd! Un HP! Oh non! Quel con! J'ai reçu un mail. Excusez-moi! Je vais éteindre. Qu'est-ce qui me fait chier? Envy!
Bon, je... C'est... Ah! Ah oui! Ah, attendez, regardez! J'ai reçu un super mail! Ah, attendez, alors comment je peux... Je vais l'afficher en grand. Voilà, comme ça, vous voyez pas... Ouais, très bien. Regardez! Eh, ça, franchement... Ça... Ça, ça donne envie, quand même. Hein. Bonjour, je m'appelle Myriam Habib, du Koweït. Je me suis marié à Aïssif Habib, qui travaille à l'ambassade du Koweït en Côte d'Ivoire pour 36 ans. Ah, pendant 36 ans avant sa mort en 2009, après une maladie rapide. Oh là là, alors qu'est-ce qu'elle me propose, attends. Non, qu'est-ce que tu veux? Tu m'offres un... C'est quoi? Un travail à l'ambassade? Ah non, elle veut de l'argent pour ça. Oh. Ah bah dis donc. J'espère que ça va s'arranger très vite pour toi. Putain. Ah, ça va bien le... Ça va bien comme faire chier. Allez, salut. Bisous Myriam. Cherche un donneur? Ouais, sans doute. Oh. Eh, pourquoi c'est... Merci. Hop, alors là, attention, là, on va nettoyer. Hein, là, bah tiens, hommage à Myriam Habib. Hein. Hashtag je suis pas raciste, mais j'aime la brique à l'œuf. Non, quand même pas. Non, je suis pas du tout raciste. Non. Et voilà. On va faire l'agent d'entretien. C'est une run agent d'entretien, on va tout nettoyer. Oui, c'est réglé, c'est réglé. Oh, d'ailleurs, j'en ai entendu une belle ce matin. J'écoutais la rediff de Guillaume Meurice sur France Inter. C'est ces petits billets, là. Oh, putain, il est tombé sur un phénomène. Et il a eu le agent TechX de Surface, exactement. Ah bah tiens, tu viens de me trouver le titre de ma VOD, merci. Il est tombé sur un phénomène à la con. Il a eu l'argument de la Nadine Morano, c'est-à-dire je suis pas raciste, j'ai des bons amis noirs. Mais t'es vraiment véridique, hein. C'est-à-dire qu'il est tombé sur un vieux con qui a dit ça. Puisque il... Bon, en même temps, c'est vrai que le sujet s'y prêtait un peu, c'est-à-dire que... On a ouvert un nouveau centre d'accueil pour les réfugiés dans le 16e arrondissement à Paris. Qu'évidemment, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les Richous et il leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensent. La première réaction, ça a été « Ouais, c'est chiant parce que bon, le 16e arrondissement, c'est pas non plus un arrondissement très riche. Hein ?» Donc on n'a pas beaucoup d'argent, ce serait bien de... Et il est tombé aussi sur une autre... Une connasse qui est... Oh, Proptosis, oui! Oh, putain. Oh, mais... Oh! Oh, oh je suis venu. Sur une connasse qui a sorti... Attends, qu'est-ce qu'elle avait sorti? Oui, parce que, ouais, bah, voilà, bah non, c'était la connasse qui disait, ouais, le 16e, il a pas beaucoup d'argent et tout. Je disais, ouais, c'est vrai que il faudrait redistribuer la richesse quand même. Enlève-moi mon cœur, s'il te plaît. Merde. Oh putain, c'est gratuit ça. Il faudrait redistribuer l'argent, tout ça, machin et tout. Et... Du coup, Guillaume Meurice, il lui en met une petite tarte dans la gueule, il a sorti. Oui, bah du coup, vous êtes pour le fait d'augmenter les impôts pour les riches? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Et elle s'est offusquée en 2-2. Enfin, je trouvais ça magique. Allez voir la rediff de Guillaume Meurice d'aujourd'hui. Elle est assez drôle. Alors, bon. On parle. On s'amuse, mais... Mine de rien, on a une... Un gros sac à foutre à buter, quand même. Connard de Hush, là, qui m'a fait chier. Ah, il y a un boss rush à se faire aussi, évidemment.
J'aimerais bien trouver la salle d'objets avant d'y aller quand même. Petit rocher marqué. Merci. Ah. Badabadabadabada. Ok. Non. Badabadabadabada. Zou. Ah ouais, allez. Daddy's long leg. Bah je vais en profiter juste. C'est le Nécropolis 1. Ouais, de toute façon j'ai le temps. 12 minutes. Voilà. Non, non, putain, merde. Oh, dans ma tête, j'étais en train de donner à la machine de dons, mais quel connard. Ok, bon, c'est pas grave. On avance. On va buter le boss. Pas le temps de niaiser. Hop. Brony, oh, regardez, oh. Oh, Brony, en plus, à la base, c'est un boss qui est tellement chiant. Oh, vas-y, bouffe. Mais non, putain, j'ai pris la sainte. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Carte de tarot. Connard. The world. On fout de Elephant. Ah, ça oui. I got head. Ah, le livre. Ah bah viens, on prend les deux. The Hierophant. Merde, j'ai pris la... Oh. Ah. Attendez, on va tenter le beau jeu. On va tenter le beau jeu. Ah, parce que là, par contre, là, si... Là, ça peut être vraiment débile. Vous me voyez arriver ou pas? Par contre, il va me falloir du cœur bleu en plus. Ouais, mais je m'en fous du coup, là. Héhéhéhé. Ouais, vous me voyez arriver, hein. Ah, l'ange gardien, ça c'est bien, ça. Par contre, attends, je vais juste resetter la salle pour éviter de... Pas chier. Hop. Et de 1. Alors, j'espère juste que je vais me choper des cœurs bleus, là, et pas des pièces. Yes. Ok. Bon, bah, les amis, méga Satan. Attends, hop, je refais juste ça. Pour... Voilà. Allez. Oh putain, ça c'est un run optimisé, ça, quand même. Yes. Allez, c'est parti. Go. The world. Hop, go. Oh putain. Mais si tu fais Hush, tu peux pas faire Méga Satan. Si, parce qu'une fois que t'as fait Hush, il te propose, après, le choix que tu as une fois que tu bats le cœur de maman. C'est-à-dire de descendre ou de monter. Et de toute manière... la salle Méga Satan se trouve dans Darkroom comme dans Chess. Tu peux choisir... voilà, hop. En plus, ça nous donne un peu de protection. Oh, ouais. Ça nous donne la protection pour... Oh, putain, on a un bon run, les... Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir enfin un run potable. Oh, putain. Ah, j'en entretiens. Ah, Shiva. Ah, c'est un Shiva pour 100. Oh, puis on nous donne un objet gratuit. Ah. Ah. Ah, putain, c'est beau. Ah, je vous jure que j'ai pas triché. J'ai pas triché. Ah, attendez, du coup, on va chercher. Il est où l'objet? Allez, oh, il est loin. Ah, bah, j'ai bien fait d'utiliser la carte. Oh, putain, la vache. Ok, c'est pété. Attends, est-ce que tu peux me donner un cœur bleu? Ouais, merci. Changement de pantalon, nettoyage nécessaire dans les 5, s'il vous plaît. Oui. Ok. Ok. Ah. Voilà. C'est passé. Petit cœur bleu. Non. Mais des clés, j'en veux, ouais. Voilà. Donc là, on a eu... Alors là, ça va être gratuit. Merde, putain, pourquoi je vais là? Alors là, ça va être encore plus gratuit. C'est-à-dire que même pour cleaner les salles, ça va être super easy, étant donné qu'on a le Mass Damage qui va nous faire... Et qu'on a 15 de puissance. Ça va faire des dommages, parce que c'est proportionnel aux dégâts qu'on a. Oh. Ouais, allez, bon, de toute façon, ça coûte rien de le prendre.
On fait des dommages proportionnels dès notre entrée dans une salle où il y a des ennemis. Proportionnels au nombre, aux dégâts qu'on a. Donc ça va être franchement complètement gratos. On va se balader. Allez me balader. Comme disait... le... Oh non, 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 pas le sup. Comme l'a dit le philosophe, bien connu. Casse-toi. Oui, c'est moi. Au revoir. Merde. Ah, j'ai cru que j'allais one-shotter. Non. Hop. Polaroid. Polaroid, parce que là, je vais... Voilà. Oh oui, en plus, le pacte. Allez. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est beau. Le pacte. Du coup, j'ai plus de cœur rouge. Et à chaque fois que je vais me faire toucher, du coup, je vais... Oh, merde. À chaque fois que je vais me faire toucher, je vais... Voilà. Avoir un petit bouclier. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est gratuit. Il est gratuit. Oh, tiens, hop. Bonjour, comment allez-vous? Ah ouais, non, mais là... Excusez-moi, ah là, j'ai... Excusez-moi, j'ai giclé dans mon pantalon, là. Excusez-moi, mademoiselle. Ah, mais là, c'est... On a un run. Mais un run. Oh. Ah, d'accord, oui. Une forme spéciale de Gates. Ok. Allez. Ah oui, mais... Ah, c'est pour ça, je me disais, les boss, ils sont rapides, là, quand même. Mais oui, j'ai mangé une pilule, je suis excité. Ah, le con. Bon, c'est pas grave. Ça rajoute un peu de piment pour le boss jeu. Pour le boss jeu. Allez, hop. Ah, ah, ah. Oh là là, là là. Oh. Oh, je suis fatigué. Là, c'est quand même un jeu qui est facile, hein, à la base. Hein. Oh là là. Bonjour, ça c'est bip. Jizz in my pants. Ah, c'est la chanson de... you're gonna poo in your pants, pants, pants. Comment il s'appelle, merde? C'est un youtubeur qui est génial. C'est un anglais, un graphiste anglais. Graphiste. Oui, si, ou graphiste, on va dire. Comment il s'appelle, putain? Ah, mais j'ai son logo en tête. Putain! Eh, hey, mais t'es où, là, le dernier, là? Ah, il est là. Il s'appelle... Putain, aidez-moi, le chat! Comment il s'appelle? Il s'appelle... Un anglais qui trafique des vidéos, qui a fait des vidéos... T'as pas la référence, merde, putain, mais putain, mais il est tellement bon, ce mec-là. Il a fait des trucs avec des vaches qui s'imbriquent les unes dans les autres, complètement dégueulasses. Ah, la chaîne de Sanson. Et Freeze Effect. Voilà. C'était un petit boss rush. Complètement gratuit. Oh merde, j'ai récupéré un... Oh non. J'ai récupéré un cœur blanc. Oh, fait chier. You're gonna poo in your pants, pants, pants. Et putain, comment il s'appelle? Il en a fait une autre avec plein d'araignées qui forment des bâtiments. C'est complètement... C'est très contemporain comme truc, ce qu'il fait. C'est du gros what the fuck. Putain, c'est un mot. C'est en un mot. En un mot. Mot. En deux mots. Merde. Il s'appelle... Oh. Putain, je me suis fait toucher. Non. Non. Je vais pas me faire toucher. Fais-toi pas toucher, il me dit mes rêves en plus. Merde. Momo, merci. Putain, mais ça me tue! Ça me tue! Ça me tue! Bouge pas!
J'en peux plus. Sinon, je vais... Ah. Ah. Attends, je suis abonné à sa page. Je suis abonné à sa chaîne YouTube. Il est où? Il est où? Je suis abonné à 50 000 pages aussi. Je crache partout. Syriac. Oh putain, Syriac. C-Y-R-I-A-K. Syriac. Motus. Si tu connais pas, va voir. Tomska. Non, Syriac. Mais Tomska, il est bien aussi. Tomska, il est cool. Syriac, si tu connais pas, va voir. C'est très barré, attention. Hein. Faut pas être... Faut pas être en dépression, par contre, pour voir ces vidéos. Hein. Sinon, vous êtes bon pour l'asile. Mais ouais, je vous conseille. Il a un gros, très très gros talent. Très très bon. Si, toutefois, vous avez une certaine... Putain, j'avais oublié ça, que mes bombes avaient des bombes. Certaines visions artistiques des choses. Voilà. Allez, vas-y, petit Rotten Baby. Tiens, comme ça, je récupère la puissance que j'avais... Voilà, plus 3. Latchkey. Bim, bim. On descend. Allez voir Syriac, Webology, elle est excellente. Dans Chimpology, mais je pensais à Web. Celle avec les araignées. Elle tue sa mère. Ok. Putain, on en a de la protection là, hein, contre les boulettes. Hein. Oula. Ouh. J'ai déjà toutes tes vidéos à mater avant d'aller voir une autre. Non mais vas-y, bah regarde-la pendant que je stream, tiens. C'est des petites vidéos de 2-3 minutes, pas plus. De 2-3 minutes, mais qui demandent un taf, mais des mois et des mois. J'ai des potes qui travaillent justement dans ce genre de truc, dans le graphisme. Ils m'ont dit, mais ce qu'il fait, mais t'imagines même pas la montagne de boulot qu'il y a à faire pour faire ce genre de truc. Faut être motivé, hein. Oh putain, excuse-moi, je suis full of burps. Je vais où? Je vais là. Et il a fait notamment une chanson où... apparemment, c'était une parodie d'un mec qui avait dit ça, je sais plus où, et vraiment... We're gonna put in your pants, 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 et in your pants, et il en a fait une petite chanson. Et le mec, il sort de partout, de chiottes publiques, derrière la porte du chiotte lui-même, enfin, c'est n'importe quoi. C'est très drôle, hein. Enfin, c'est particulier, surtout. Et voilà, Syriac. En attendant, bah, on lave le sol, hein. Là, on est en train de tout nettoyer. Ça en devient presque plus drôle. You're gonna poo in your pants, pants, pants. Magician? Oui. Oh, le Magician avec Tech X, mais qu'est-ce que c'est débile aussi, ça. Oh, merde. Ah, du coup, on va se faire... on va utiliser Magician sur le combat contre Hush. Vous allez voir, on va le laver. Ah, je vais y prendre... je vais venir 10 fois. Non, pas mot. Black Vessel. Un petit vessel pour avoir des cœurs noirs. Allez, go. Go. Tu n'hésites pas sur le désodorisant. Oui, monsieur. Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Ok, bah toi, vas-y, bouffe. Moi, toi, comme ça, tu vas me donner des petits trucs. J'ai rien qui permet de reset là. Parce qu'en vrai, c'est pas top ce qu'on me donne là. Ça pour être à fond. Et ça pour voilà. Ouais, voilà. Tiens, on va me mettre dans la fichine dedans. Merci. Allez, c'est parti. On va prendre l'empoisonnement. Here we go. Voilà, hop. Non. Ah, mais là, il est moche. Voilà, il est bien, là. Moi, j'aime bien. Let's go. Oh, putain.
Ah non, j'ai pris la High Priestess. Oh, je voulais pas. Bon, attends, c'est pas grave. Je voulais prendre mon petit... Yo! Je voulais prendre le magicien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, go! Oh putain, mon gars, comment je vais te démonter ta race? Oh la vache! Oh. Ah, le pied! Putain, regarde, je peux même lire le chat en même temps! Je peux leur répondre! Ils disent rien! Ah! Ah, ah! Ah oui, j'ai freeze effect! Oh! Ah, t'existes pas, je te démonte! Ah! Allez, viens! Ah! Ah, tiens, regarde! Ah, l'ultime carrière, je bois en même temps! Il a 6666 PV. Ou 6600, je sais plus. Ce qui est beaucoup. Je l'ai déjà dit, mais c'est le troisième boss qui possède le plus de vie dans le jeu. Au-dessus étant ceux qui ont plusieurs transformations. Non, quatrième boss. Non, troisième, parce qu'il a plus de boss que... Il a plus de vie que... Il a plus de boss. Il a plus de vie que... Que Méga Satan. Méga Satan, il a un total de 6000. En cumulant ses deux transformations. Et... Putain, mais regardez tous les os qui me protègent, là. Et en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bouquin avant de partir, parce qu'avec tous les ennemis qu'il a fait popper et que j'ai buté... Allez! Tiens! Putain, enfin! Oh! 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 Vibrant Bulb! Mais oui! Mais oui! Et on monte! Oh! Remets comme ça s'il attend de venir plusieurs fois. Ouais. Incroyable. Ah, la chanson du Smecta. Ok, c'est parti. Hit down. Non. À quoi qu'en vrai, si, un petit peu, parce que j'aime pas quand je suis trop rapide. Voilà, et regardez tout le stat-up. Oh putain, c'est beau. Bah, c'est pas dommage. Oh merde, hein. Le mélanchoniste. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Gold. Ah, ça c'est bien ça. Alors, putain, ça me fait penser qu'il y a... J'ai pas tous les succès encore sur ma deuxième sauvegarde. Il faut vite que je me dépêche avant le nouveau DLC. Notamment Gulp, justement. J'ai pas le truc de Gulp. Il faut avaler 5 Gulp en une run. Ça c'est le genre de... Truc complètement bidon ça d'ailleurs. C'est n'importe quoi, ce genre de succès. Ah, là! Et oh, Sakura! Ah, vous avez vu? J'ai réglé le problème de délai entre le son de mon micro et le son du jeu. Ça y est! Tout est synchro! C'est beau, hein! J'avais un délai d'exactement 130 millisecondes. Incroyable, hein. Et, petit mal de crâne. Voilà. Ok. Ok. La pièce. Allez. Pas que ça à foutre. Que ça à foutre. Eo Sakura. Pourquoi je l'ai excusé? Et le Smecta. Ok, bah vas-y, let's go. Oh là là, comment il est gratuit! Mais gratuit! Et voilà! Putain, mais comment il n'existe pas! Oh!
Et bim, Bloody Lust. Donc là, Bloody Lust, c'est... Oui, c'était pas Rage, c'est Bloody Lust. Son... C'est le nom de son objet qu'il a au départ. Allez, encore plus de dégâts, parce qu'on en a pas assez. Tout ça, on prend hein, le bébé qui pète, voilà, la mouche papa. Et let's go. Ah oui, elle est forte la musique. Non, elle est pas forte. Hein. Oh, ça sert à rien, ça. En late run, ça sert à rien. Oh, comment je l'ai envoyé balader. Allez me balader. Ok. Tiens. Oh là là, putain, mais quand est-ce que ce jeu sera plus dur, quoi? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il me rentre dedans et ma protection fait... Oh putain. Ok, bon, bah je continue alors. Elle se... Non. Voilà, hop. Très bien. Je vais attendre d'avoir des batteries avant de les utiliser. Qu'est-ce que c'est? Headcone. Funnel. C'est la pété. Je suis... Non, surtout pas. J'ai pas envie de me faire chier avec un... Un méga Satan sous ce... Sous Exta. Hop. Merde, j'aurais dû le laisser manger. Bonjour. Hop. Ah, très bien. Hop. Voilà. Merde, putain. Oh, mais comment ils sont, mais... Oh, la vache. T'existes pas. Mange. Allez. Ah, speedrun. Speedrun débile. Merde. Ah, de toute façon, on n'a plus besoin de rien. Envie de toi. Envie de toi. Je le touche. Je l'ai touché. 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 La bombe sur le piédestal. Rien. No. Ah, no. No. Never again. Bonjour. Voilà, très bien. Donc ça c'est fait. No, alors no si je me trompe, mais no je suis pas sûr du tout. Mais no je crois que ça baisse les chances d'avoir des objets actifs sur les piédestals. Donc ce sera surtout du passif qu'on aura. Et du coup c'est cool parce que moi je l'aime bien mon petit livre squelettique. Hein. Ok, bah tiens, voilà. Voilà. Ça m'est facile, ce jeu m'est facile. En vrai, le beau jeu, vraiment pour finir sur une belle touche, ce serait d'avoir accès au... à Delirium. D'avoir accès au Void. Sachant que si on bat Méga Satan... Si. On a une chance sur deux de pouvoir accéder au Void. Quand on bat Méga Satan, il nous donne une chance sur deux de pouvoir accéder au Void. C'est normal, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Là. Oh là là. Mais... Oh là 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 là. Allez hop, plein de protection. On en a jamais assez. Voilà. Ça va vous? Bon, ça va. Voilà. Bonjour monsieur, je viens laver avec le carrelage. Bim. Il n'existe plus. Comme quoi, hein. Toujours respecter les femmes de ménage, les hommes de ménage. Parce qu'ils sont capables de vous défoncer, mais il y a Satan, mais de fou. IRL. Voilà. Tiens. Ah merde, dommage. Tant pis. Oh là 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 là.
Conchita pour sang. On voit pas sa vie à lui. Non, on voit pas sa vie. On voit pas sa vie parce que... voilà, c'est... Oh merde, c'est bon, arrête de souffler. Bloody Penny! Rage Baby! Allez! Donc, nous avons donc fait Senjo. Succès Isaac. Nous étions avec Sanson. On a fait. Attention, regardez en haut, ça arrive. Isaac, le boss rush. 3 points d'interrogation. Et Mega Satan. Et Hosh. Ah. Oh putain, c'était bon. Et on en est 228 secrets. Ah oui, quand même. Tout de même. Quand même. Enfin, merde, quand même. 228. Allez, Zou. Oh putain, tu peux que aimer, du coup. Allez, vas-y, YouTube, tu mets un pouce. Tiens. Parce que sinon, voilà. Et je vais la prochaine. Ciao.